Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pillars of Eternity. Et on en était à aller chercher un ingrédient pour que, comment la sage-femme ou l'espèce de soigneuse quelconque qu'elle est ici, puisse se préparer une mixture qui nous aidera à comment soigner éventuellement le nouveau-né d'Ofra. Et donc pour ça, on est censé aller là-dedans et tuer des sporlingues. Et on n'a pas idée du tout de la difficulté de l'action. Donc on va essayer déjà comme ça, sans repos, sans rien. On va aller voir si on est en mesure d'affronter ces trucs. Sachant qu'on n'est pas ultra frais. Je vais essayer de me placer idéalement pour provoquer un maximum de dégâts. C'est trop court. C'est beaucoup trop court. Ce truc fait à une portée dingue, sauf à ce moment-là. Ouais, tu peux te casser. Très vite. Nous, on va tirer. Il va balancer une colère divine. Pas par là. Ok, donc c'est pas exactement comme ça que je le voyais. Tant pis. Alors. Du dégât. Toi, tu me fais ça. Nous, en termes de sort, l'armure de la foi complètement. Moi, bah, j'ai pas encore. Le combat n'a pas encore assez duré. Waouh, j'ai pris méga cher. Je vais invoquer le fantôme habituel. Waouh! Très bien. Ok. Donc, leur attaque de sport fait mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pensais qu'on avait éventuellement le moyen. Mais en fait, non. On va faire autrement. On va attendre qu'il se pointe par là. Donc nous, est-ce qu'on a un truc Terreur divine, ça me va bien. Voilà là. C'était pathétique ce que t'as fait comme action, mec. Ça aussi. On a donc réussi à toucher quasiment personne. Voilà. Non, c'est bon, c'est pathétique. On recommence. Donc on a raté notre sort, on a cramé notre prêtre et on est mort tout de suite après. Très intéressant. On va absolument pas se mettre à portée de vue de ce truc parce qu'il fait un mal de chien. Il a pas mal de sorts qui peuvent être utilisés seulement en combat. Oh.
Ah, donc là, on est en combat. Moi, je me casse. Ok, d'accord. Magnifique placement de sous répulsif. On va tout mettre sur ce type. Moi, j'ai plus de sort. Si j'ai ça éventuellement. On a un qui est tombé. Bah, je ne peux pas faire beaucoup plus. Jouer. Bien joué. Eh ben c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On va camper et revenir. Wow, encore un de ces rêves particuliers. Est-ce que le saut répulsif sera toujours là? Je ne sais pas. Oh, le saut répulsif est toujours là, nickel. Alors, on va passer en mode furtif. Et on va essayer d'attirer ce truc. Waouh. Très bien. Alors pour l'instant, on va attaquer ça au tir. Piège déclenché. J'ai pas eu l'impression que c'était bien comment efficace pour le coup. Ah si, carrément, j'ai rien dit. Parfait. Donc il nous reste plus que ce truc. Qui est ma fixe. Alors fais un truc fixe. Est-ce qu'on peut lui faire un truc fixe? Terreur divine. On va essayer la terreur divine. Nous on va venir se placer là. Tirer dessus. C'est trop court. On va essayer de lui envoyer ça dans la tronche. Donc, je disais, la terreur divine. Pas du tout si ça a fonctionné. On va bien voir. Allez. Bien.
Alors. De la mousse et de la moisissure ont recouvert les eaux. Ils sentent la terre et l'humidité. Ok. Du corail. De l'argent et des crochets. Ah. Et un simple arc. Ouais, ok, rien de bien. Rien de bien énorme. Mais bon, mission accomplie. Allez hop, on se dépêche. Attention avec ces sporélingues, ils agissent sur l'esprit. Ranga se tapote la tempe. C'est pour ça que les spores sont si utiles d'ailleurs. J'ai déjà les spores. En effet, excellent. Donnez-moi un et je l'ajouterai dans le chaudron. Ça ne devrait pas être long. La mixture est prête. Apportez-la à Ofra et dites-lui d'en prendre avant d'aller se coucher, car elle a un effet soporifique. Elle devrait se sentir plus en forme les matins. Dites-lui de manger plus de poisson et du fromage. La potion lui donnera de l'appétit et de la force. Elle est plutôt frêle si mes souvenirs sont bons. Attendez, je pensais que c'était un remède. Je peux m'occuper des maladies du corps, pas celles de l'âme, et encore moins d'une maladie causée par les dieux. Je vais l'expliquer plusieurs fois, mais les gens choisissent bien de croire ce qu'ils veulent. Alors laissez-la y croire, cela l'aidera peut-être, la foi est un puissant allié. Pendant ce temps, elle se sentira bien mieux, et si son enfant n'est pas victime de l'héritage, il naîtra en bonne santé, ça je peux vous le garantir. Ranga, vous n'êtes qu'un charlatan. Bien, je m'en vais alors. J'ai fait ce que j'ai pu comme promis, transmettre mes vœux de santé à Ofra. Hello. Puis-je voir vos marchandises? Voilà, donc elle a des potions en tout genre, du matériel de camping. Qu'on va prendre. Et on va vendre du matériel. Quoi? Non, on va vendre du matériel, je disais. La grande épée de qualité, on va la garder, on sait jamais. Peau de loup, peau de sanglier, peut-être que quelqu'un nous le reprendra, donc on va garder aussi. Améthyste, on vend, ça on vend, ça on vend. Tout ce qui est pierre, on vend en fait. Voilà. Ça on vend. Bon, mission accomplie, on peut rentrer. Enfin, on peut rentrer. On n'a plus rien à faire dans cette zone. Je crois qu'on a tout fait. Ouais. Alors, suite des aventures, soit on retourne à la vallée dorée tout de suite, histoire de valider la quête, et on repart après à la prairie noire. Non, on va directement aller à la prairie noire plutôt. De toute façon, elle nous a confirmé que son remède, il faisait pas spécialement effet contre l'héritage. Alors, du coup, il y a un peu moins d'urgence en ce qui concerne d'aider cette femme qui va bientôt accoucher. Alors, suivez la piste du chargement. On va commencer par suivre la route, a priori. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
trolls des bois. La bonne nouvelle, c'est que ces trucs sont pas particulièrement rapides. Mettre de sacrés claques quand même. On n'en parle plus de ce troll. Pour l'instant, tout est calme. Pas de traces du chargement. Ici, il y a des herbes, on s'arrête les ramasser. Ici, on a une bifurcation. On va continuer par là d'abord. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un troll des bois. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut largement waouh, j'ai pris un coup, on dirait. Non, toi t'attaques. Voilà. Bien, on reprend. Donc on était parti par là-bas, on a dit. On a bien fait la moitié du chemin déjà. Toujours pas de traces du chariot. C'est pas ça, c'est ça. Des mulots courts entre les dents de la bête, ok. S'il y a des dragons comme ça, ça devait être sympa. Waouh. Ok. Un autre troll des bois. Pour l'instant, aucune trace du chariot. Ça se passe tranquillement avec cette technique. On n'a rien à craindre des trolls des bois, tant qu'ils sont seuls et tant qu'ils seront aussi lents. Bon, on va reprendre notre exploration. Par contre, on va quand même y aller doucement parce que ce coin a l'air... Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow.
Ouais, on va peut-être nécessiter cette fois. Toi. Envoie. Non. Cours, 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 cours. Tu cours. Merde. S'il nous voit, on est mal. On va continuer de courir. Pour l'instant. Okay, laisse tomber l'idée. Très bien. Ils ont abandonné la poursuite pile poil quand. Mais. On va tout mettre sur eux. Sur l'un d'eux. Waouh, par contre, ils font un mal de chien. Va falloir qu'on utilise des sorts, je crois, cette fois. Parce que mon brave fantôme ne tiendra pas longtemps. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Toi, ça te dirait de faire ce que je te demande? Ce serait super. Toi, soigne-toi. Il n'a pas eu le temps. Nous, on va courir. Ah, mais ils font demi-tour quand on est là, en fait. Donc, c'est un peu... Ouais, mais c'est... Il a quasiment plus de sorts. On va quand même utiliser ça. Ils sont blessés, mais pas assez. Bon. Je vais y aller au cac. Tant pis. C'était peut-être une idée à la con. Ouais, ouais. C'était une idée à la con. Bon. Donc c'est plutôt cool au final qu'il décide de nous laisser tranquille. Et merde. Au moins ça, on sait comment le gérer. Pas toi. Non, pas toi. Ah là là. Peau de troll, très bien. Petit F5 de sauvegarde. On va quand même essayer d'aller tuer ces deux bestioles là-haut, mais par contre, ouais, ça tape sacrément fort. Donc là, on a encore des... des destinations différentes.
Mais non, 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 mais casse-toi de là, casse-toi de là. Très bien. Ok. Je trouve qu'on gère, on gère pas trop mal. Ouais, on gère carrément bien, je trouve. Passer à l'incantation numéro 2, nous. Parce qu'on a quand même une incantation qui nous permet de courir plus vite. Je pense que ça pourrait être utile. Normalement, si on tourne bien comme il faut, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à les tuer. C'est vrai qu'à ce rythme là on n'est pas rendu hein. On peut les harceler mais était comme qui dirait interrompu d'une claque. Prendre assez de distance cette fois, on va pas la recommencer 15 fois. Invoque-moi cette bête. Vous, vous tirez dessus, toi tu te casses. Bah à ce rythme là on n'est pas rendu comme on dit. Pouf. 4 non réussi, il est mort, ok. Charger une partie. Ok, ok, ok. On n'arrivera pas à les tuer. En tout cas je crois pas. Pas pour le moment. Font vraiment vraiment trop trop mal. On va juste se balader et on va essayer de trouver le chariot. On va pas essayer 15 fois de tuer ces gens, ils sont beaucoup trop forts pour nous. Chef des malfrats. Quoi? Qui est-ce? Bon sang Willem, vous n'êtes qu'un misérable. Attrapez-la, on ajoutera ses affaires à la pile.
c'est qu'ils sont beaucoup. Eux, ils ont un petit peu pris. Le chef des malfarats, il est en frénésie, carrément. Lui, il a pris cher. Nous, on n'a plus de sort. On va utiliser ça. Bah, nous, on va continuer de taper. Alors, on a Duran qui est malheureusement a rendu l'âme. On va essayer de se faire ce malfrat là. Donc, on va commencer comme d'habitude par notre fantôme qu'on va invoquer là-bas. Ça devrait régler. Voilà. Le. Ouah, putain, qu'est-ce que je prends cher. Je prends ultra cher. Je vais me casser de là, du coup. Donc le fantôme a fait le boulot. Il a encore fait le boulot. Que c'est quand même pratique ce fantôme. Allez, on y croit. Mutilation. Capuche, vêtements de Deerwood. On prend tout ça, on prend. Et tout le reste, on prend également. Des os de poulet gras entre choc. Quelqu'un a gravé les initiales TRS sur le rondin. Donc voilà, c'était là. On va se reposer. Voilà. On va prendre tout ce qu'on trouve, donc des bijoux, de l'or, caisse de transport, lettre déchirée. J'ai besoin de vous pour remettre notre prise à Kurn afin qu'il la vende. Il n'acceptera de vous parler que si vous connaissez la formule. Ok, je vous la prononce pas. Vous le trouverez au don une fois la nuit tombée. Ok, bon bah on a que... On n'a plus qu'à retourner d'où on vient. Non. Pas de troll des bois pour le moment. Nous... On retourne à la vallée dorée pour terminer cet épisode. On va valider les quêtes. Alors. Forge du marteau noir, c'est ici. Ah, vous revoilà. En quoi puis-je vous aider? Donnez la caisse, j'ai trouvé le chargement que vous attendiez.
Il se penche pour récupérer la caisse et la soulève sans effort pour la poser sur le comptoir. Son visage s'éclaire d'un large sourire. Eh bien, vous avez réussi. C'est une excellente nouvelle. Nous allons pouvoir nous remettre au travail et vous montrer ce que vaut la qualité marteau noir. Rien à voir avec ces fragiles petites épées. Tenez, pour vous donner une idée. Il se penche derrière le comptoir et se relève avec un bouclier de bois à la main. Je n'avais pas énormément de matières premières pour celui-là, mais c'est quand même le savoir-faire marteau noir, alors prenez-le. Tenez, voici aussi quelques pièces pour vous remercier. Son expression satisfaite se rembrunit. Avez-vous trouvé quelqu'un avec le chariot? Des brigands ont attaqué le chariot, je doute que vos employés aient survécu. Pauvres idiots, je leur ai bien dit et répété qu'ils devaient employer des gardes plutôt que d'économiser quelques sous. Vous ne voudriez pas rester dans la vallée dorée et lancer un service de livraison par hasard? Il vous offre un faible sourire. Je vous remercie pour votre aide, mon ami. Laissez-moi un peu de temps pour relancer la forge et vous pourrez faire votre choix dans la prochaine fournée d'armes. Ouais, donc forcément, il a beaucoup plus de matériel. Par contre, ce qu'il nous a pas dit, c'est que ça valait quand même très cher. C'est des choses de qualité. Voilà, plein de matériel de qualité. On va vendre ces trucs, ils ne servent à rien. Pour l'instant, la grande épée de qualité, il faudrait encore qu'on trouve quelqu'un pour l'utiliser. Voilà. Ouais, là. Tout un tas de choses. Brigandine de qualité. Réduction des dégâts plus 2. Ouais, c'est pas non plus. Des anneaux de déviation, des ceintures, une cape de repli. Bonus de désengagement. Ouais. Non, on va rien lui prendre pour l'instant. De toute façon, cet épisode est déjà beaucoup trop long. Donc je vais juste rendre la quête de la demoiselle Ofra. Je sais pas trop si je lui dis qu'au final. Le remède qu'elle attend. Ouais, si, je vais lui dire que le remède qu'elle attend. Faut pas non plus qu'elle se fasse trop d'illusions. J'ai aucune raison de pas être honnête avec elle. Parti depuis un certain temps. Je me demandais si vous alliez revenir. C'est bien cela, vous l'avez rapporté? Oui, je l'ai, voilà. Vous avez réellement réussi. Oh, soyez béni, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Mon bébé est maintenant en sécurité. Attendez, vous devez savoir quelque chose concernant cette potion. Ofra cligne des yeux, baissant le regard vers le flacon. Que voulez-vous dire? Cela ne fait pas ce à quoi vous pensez. Renga a dit que vous vous sentirez mieux, mais c'est tout. Donc je vais lui dire la vérité, en fait, que ça va probablement l'aider à mieux se sentir, mais que ça s'arrêtera là. Mais c'est, le bonheur d'Ofra s'évanouit rapidement, mais tout le monde disait. Elle regarde ailleurs, j'aurais dû le savoir, j'ai été si stupide. Comment ai-je pu penser? Je suis désolé, je vous ai fait perdre votre temps. Vous ne savez pas que votre enfant... Vous ne savez pas que votre enfant va vivre le même destin. Il vaut peut-être mieux laisser le sort décider. J'attends toujours d'être payé.
Vous avez raison, je ne devrais pas employer de telle manière, il doit encore y avoir un autre moyen. Je ne prendrai pas la potion, mais merci quand même de l'avoir apportée. Tenez, prenez cela, vous pouvez également garder tout ce qui reste du paiement de Ranga, et prenez ceci également, c'était à Hathor. Je le gardais avec moi, mais je pense qu'il vous sera plus profitable. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à prier, peut-être que les dieux me seront favorables. Elle n'a plus beaucoup d'espoir d'avoir un futur avec son enfant dans la vallée dorée. Oui, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, on a gagné un petit peu d'argent et on a gagné courage, réflexe et volonté, plus 5, un manteau de protection mineure, ce qui est exactement ce qu'on a. On va donner ça à ce brave. À ce brave Durance. Et on va s'arrêter là. C'est quoi ça? Porte de garde-manger. Ah, mais c'est un bouclier. Une porte de garde-manger, vous êtes sérieux? Ça augmente de. Ça divise par deux ma précision, par contre. Hein. Donc, c'est pas exactement ce qu'on veut. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, cet épisode a beaucoup trop duré. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye!